moi, j'ai travaillé plus de 40 ans avec Albert Danvers. J'ai été l'homme d'Albert Danvers, disons. Le port, chaque jour, prenait de plus en plus de terrain à l'ouest de l'agglomération. Donc, la Chambre de commerce et les élus et les maires ont commencé à s'inquiéter et ils ont eu peur que l'État ait la main mise sur la région de Dunkerque. C'était une communauté urbaine volontaire, hein, la première communauté urbaine volontaire de France. Donc c'est quand même, ça montre que globalement, il y avait une volonté, c'est le cas de le dire, de la part de toutes les communes, d'agir en commun. On sentait bien que par rapport au développement portuaire qui était gigantesque, il fallait qu'il y ait une réponse urbaine qui soit à l'échelle, quoi. Et donc le slogan de l'époque, c'était « faire la grande ville à côté du grand port ». C'est un slogan qu'a souvent repris Albert Danvers, avec lequel j'ai travaillé sur ces sujets-là. Et donc cette grande ville à côté du grand port, c'était son leitmotiv, et finalement ça a été partagé par toutes les communes et tous les maires du littoral. Alors ils se sont rendus compte que travailler ensemble, ça leur apportait des choses. Et ils se rendaient compte aussi qu'ils ne pouvaient pas tout financer et qu'ils ne bénéficiaient pas de certains équipements. Par exemple, en matière de piscine, la seule piscine qui existait dans l'agglomération de Dunkerque, c'était les bains dunkerquois. Bon, et il y avait deux piscines d'apprentissage dans les cités des cheminots de Capelle-la-Grande et de Saint-Paul-sur-Mer. Donc les autres communes et les autres habitants de l'agglomération ne bénéficiaient pas de tous ces équipements. Voilà. Il fallait rattraper les retards d'équipement de l'agglomération, des retards de tous côtés. C'était la construction des collèges, des lycées, des équipements sportifs, de la voirie, etc., etc. Alors il faut dire aussi que bon, il y a eu l'arrivée des usines comme Usinor, quoi. Hein, bon, Usinor, c'était de la population en plus. Moi, j'ai connu la ville de Grande-Synthe avec 1300 habitants. Bon, j'ai vu la ville de Grande-Synthe grandir. Bon, il fallait du personnel pour Usinor, mais il fallait aussi loger ces gens. C'est comme ça qu'on a eu énormément de constructions en Grande-Synthe et que Grande-Synthe est devenue la ville qu'elle est aujourd'hui. Hein, mais il fallait aussi que les équipements nécessaires à cette ville de Grande-Synthe soient réalisés. Donc il fallait les réseaux d'égouts, l'alimentation en eau potable, et il a fallu par exemple construire un cimetière intercommunal entre Grande-Synthe et Petite-Synthe. Le bois des Fonds, moi je trouve que c'est un miracle. Hein. C'est vraiment une volonté d'Albert Danvers. Hein. Il faut voir ce que ça représentait à l'époque. Hein. Moi, quand j'étais gamin, je suis d'un garçon, hein, mais quand j'étais gamin, c'était des champs de betteraves à ce niveau-là. Hein. Donc maintenant, on a une véritable forêt, hein, quasiment, qui fait 9 km. Et ça a été, là, je trouve, ça a été un des traits de génie d'Albert Danvers, hein, que de lancer ça, que d'accompagner ça et de faire en sorte que ça se réalise. Donc, l'autre volet, par exemple, de développement durable qui avait été lancé à l'époque sous sa présidence, c'était le tri sélectif. Hein, le Dunkerque a été en pointe, il faut s'en souvenir, hein, de la gestion du tri sélectif. La communauté, si vous voulez, avait de l'argent, puisqu'elle bénéficiait de la taxe professionnelle à l'époque. Donc, les équipements que les communes souhaitaient, ben, elles ne pouvaient pas se les payer. Alors, donc, on établissait un plan pluriannuel d'équipement à la communauté urbaine. Les maires étaient consultés par les services compétents de la communauté urbaine et ils émettaient leurs souhaits et la communauté urbaine, les services, avec les budgets votés chaque année, exécutés et rendait aux villes ce qu'elles avaient souhaité. Il y a quand même eu le traumatisme absolu qui a été la fermeture des chantiers navals. C'est-à-dire c'était la fin d'une époque, la fermeture des chantiers navals en 1989. On avait vécu jusque-là dans une période de croissance avec un port qui n'arrêtait pas de se développer, avec des implantations assez gigantesques. Hein. Après Usinor, il y a eu la centrale nucléaire, et plus les grosses entreprises qui se sont installées au fur et à mesure. Et là, c'était la première fois, en 89, qu'il y a eu une rupture. Quoi. Voilà. Vraiment, l'usine la plus emblématique, la plus centrale, celle qui faisait vivre le cœur de Dunkerque, celle-là fermait. Et c'était vraiment le début des difficultés, et donc le début de cette prise de conscience aussi de la part de tout le monde, qu'il fallait vraiment saisir des questions de développement aussi. Hein, c'est que l'économie, de manière spontanée, je dirais, n'apportait pas toutes les réponses, c'est qu'il fallait aussi finalement se préoccuper de ces fonctions-là, et donc de changer la communauté urbaine dans ses fonctions, et lui donner une autre dimension.
Effectivement, à cette époque, il y avait d'une part les compétences obligatoires créées par la loi, imposées par la loi, la voirie, l'assainissement, les collèges, les lycées, les équipements sportifs, l'urbanisme, les services de secours et d'incendie, on avait les sapeurs-pompiers hein, comme compétences. Alors d'autre part, il y avait les compétences facultatives, et c'est surtout dans ce cadre-là, dans ce domaine-là, que ces dernières ont évolué. Hein, par exemple, par la réalisation du port de plaisance dans le bassin du commerce, la création du golf, ensuite le musée portuaire. Albert Danvers, c'était à la fois c'était un visionnaire hein, et en même temps un type qui était humainement très, finalement très accessible. Moi, je me souviens toujours quand j'allais parfois lui soumettre un dossier dans sa ville, la Grande-Ville, il me recevait chez lui, dans sa maison, il y avait son bureau qui était au bout du couloir, au rez-de-chaussée. Extraordinaire ce bureau, quoi, parce qu'il avait un bureau de taille moyenne, plein de papiers, plein de petits papiers. Il avait l'habitude d'écrire, chaque fois qu'on lui posait un problème, sur une demi-feuille, et il accumulait cette demi-feuille, et il avait donc le tour de son bureau, franchement, sur une hauteur de 50 cm, c'était les petits papiers, et il réglait effectivement énormément de choses par lui-même. L'essentiel, c'est de travailler pour que la vie des autres soit heureuse.